La mort du corps est parfois moins tragique que la mort de l'esprit. En convalescence, suite à la rémission d'un cancer, on ne peut éviter de songer à la mort et d'effectuer son bilan de vie. Ainsi, j'ai voulu léguer mon testament spirituel à mes petits-enfants qui cheminent dans une société obscure et perturbée, en leur partageant mes découvertes, mes passions, mes valeurs, aux couleurs de mon époque. Sillonnant les méandres de ma vie de divorcé remarié, je leur livre un témoignage dynamique de foi, de résilience dans l'épreuve et d'espérance. À travers le témoignage de son parcours tortueux, Marie Placide pose un regard personnel sur le mariage et le divorce, mais aborde également les problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie et de dépression qu'elle et ses proches ont pu affronter. Une certaine vision de la vie où sa foi vive et profonde en Dieu, où sa passion de la Bible et sa fréquentation tenace de divorcés remariés en Église ont fini par guider ses pas.